c'est Mourad Loussif. Et Jaya On est ravis aujourd'hui de continuer la ronde des 56 couples, les interviews, les noces alchimiques au sein du couple avec ce nouveau couple aujourd'hui que nous accueillons et que nous sommes ravis d'accueillir Laetitia Ajouan et Tony Vernus. Bonjour et bienvenue à vous. Merci, Merci, bonjour. bonjour. Bienvenue à vous deux. Alors, on va commencer, comme à l'accoutumée, par vous présenter l'un et l'autre. Alors, toi, Tony, voilà, tu te définis comme un explorateur. Alors, tu es d'abord entrepreneur, mais aussi explorateur, explorateur de la vie, explorateur de l'humain. Tu as été formé dans le domaine du coaching et tu t'intéresses à la transformation, comment finalement être heureux. Et tu focuses plus spécifiquement, après t'être intéressé pendant un temps à la nutrition émotionnelle. En ce moment, tu es vraiment focus sur la question et la gestion en fait du stress aussi bien physique que psychique. Est-ce que tu souhaites nous en dire davantage sur ta manière de voir? Oui, effectivement. Alors, je ne vais pas rajouter grand-chose de plus que ce que tu as partagé. Donc, je trouve ça assez précis. C'est juste qu'effectivement, je dirais que si aujourd'hui j'ai l'impression d'être un explorateur, c'est que je n'ai pas cette impression d'apporter pour l'instant une offre très précise comment dire, une transformation très précise aux personnes qui me suivent. Donc, j'ai effectivement, je crée des posts en fait régulièrement tous les jours où j'apporte des remises en question en fait sur ce qu'on peut ressentir et ce qui peut nous bloquer dans la vie. Mais j'aime bien comment dire, essayer de prendre les problématiques de manière holistique en fait par rapport à l'entièreté du corps enfin et des corps. Donc qui part du corps physique jusqu'au corps spirituel en passant par le corps mental. Donc j'aime bien aujourd'hui en fait être dans ce mode un peu à la Mike Horn, être dans ce mode j'explore le monde et je vais voir un peu ce qui fait sens en fait pour moi. Je me l'applique à moi, je teste sur moi et je vois si effectivement ça crée ces transformations. J'aime bien me remettre en question. J'aime bien comment dire, voir ce serait comment de me lever le matin avec ce niveau d'énergie où je suis persuadé de ce que je suis en train de faire et non pas de me lever avec les pensées de la veille et de ressasser en fait mes problématiques. Voilà, je suis un peu dans ce mode, tiens, et si c'était différent, quel impact ça aurait sur ma vie? Et voilà, quoi, en gros, c'est ce qui me caractérise aujourd'hui. J'aime bien aller voilà, au fond du fond du fond pour aller chercher peut-être la pièce qui ferait que, en gros, ça permettrait, ça me permettrait déjà, puisque je pense que c'est moi que je sers en premier, ça me permettrait de me sentir bien, de me sentir en énergie et d'avoir l'impression que tout est possible, en fait. Yes. Merci, merci Tony pour cette question de ton exploration. Et toi, Laetitia, donc tu es accompagnante également, donc là en coaching et particulièrement, voilà, pour synthétiser quand même, on dirait experte en alignement et surtout, voilà, pour ramener au cœur de soi. Tu es convaincue que ben, voilà, tout est possible de dénouer à l'intérieur de soi à partir du moment justement où on ramène au cœur, et c'est ton chemin où tu as appris à te découvrir aussi dans tes cadeaux, dans tes talents que tu as, où tu as été aussi en quelque sorte aussi cette exploratrice intérieure, hein, à découvrir des circuits pour développer davantage d'amour, de joie, qui fait qu'aujourd'hui tu bah, t'offres avec cœur, j'ai envie de dire, tes services, tes accompagnements aux hommes et aux femmes qui ont envie de se reconnecter davantage à eux-mêmes. Est-ce que tu as envie de nous en dire davantage, quelques mots? Bah, déjà, c'est top ta description. Donc, merci pour ce partage. Simplement, j'aide les personnes à se reconnecter à leur cœur et à découvrir la puissance du pouvoir du cœur, qui est pour moi l'essence pour tout transformer, tout transcender, quel que soit là où on en est. Et c'est ce que j'aime faire, c'est de le faire au travers de voyages. Vraiment transcendant en fait et d'apporter mon énergie, mon dynamisme et de le faire en fait en combinant à la fois le mental, l'énergie, le cœur
au travers des voyages que je propose. Et c'est ce qui fait en fait l'impact si rapide et si simple en fait de la transformation. C'est cet alignement au cœur et ces raccourcis en fait que j'aide à créer pour lâcher le mental et se reconnecter à ce qui fait sens et se reconnecter à soi. Donc Yes. voilà. Et Merci, merci beaucoup. bienvenue à tous les deux. Honoré de Merci, votre présence. merci. Merci à vous pour l'invitation. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet des noces alchimiques au sein du couple. Alors, tout simplement, Laetitia et Tony, comment est-ce que vous dansez justement vos noces alchimiques, votre union amoureuse au quotidien? Comment est-ce que s'exprime cette union du masculin et du féminin au sein de votre couple? Ah. Je te laisse Déjà, je pense que c'est une longue évolution, que ça n'a fait qu'évoluer, on s'est rencontrés. Je pense que nos forces et nos compétences ont été finalement aussi nos, comment dire, nos difficultés quelque part. Donc, c'est une danse qui est en constante évolution, qu'on a fait que embellir au fil des semaines et de ce qu'on a pu vivre. Je ne sais pas si ça répond totalement à la question, mais Ouais, c'est vraiment, voilà, Denis va question sûrement apporter. voilà, ouvert. Après, j'aime bien cette idée justement que tu partages sur cette question justement de force et vos forces premières en fait et les revers qu'elles ont pu avoir ou qu'elles peuvent avoir au sein de votre union. Tu veux nous en dire davantage là-dessus? Oui, on est tous les deux des personnes indépendantes qui drivent leur vie, qui avons eu l'habitude en fait de prendre les choses en main dans nos précédentes relations et qui avons aussi développé cette résilience dans tous les cas, s'il y a quelque chose qui va pas, s'il y a une difficulté, je suis capable de me relever, je suis capable d'aller dépasser et même si c'est difficile et douloureux, je sais que je me relèverai et que je grandirai de ce que je vais vivre. C'est tous les deux notre force et en même temps, c'est ce qui a pu souvent être notre faiblesse parce que forcément, on s'est rencontrés il y a 3 ans maintenant à l'école de coaching et on a une construction différente, on a tous les deux des enfants, une éducation différente, plein de choses. Qui viennent se confronter quelque part. Et on aurait pu facilement, plein de fois, dire stop, en fait, on n'est pas raccord, on n'est pas sur le même terrain de jeu. Et du coup, allez, on balance. Et puis, de toute façon, on est assez fort pour se reconstruire et se relever et continuer. Donc, c'est un peu ce que je veux partager en disant que voilà, c'est à la fois notre force, mais pour notre couple à nous. C'est un peu notre faiblesse parce qu'on peut vite prendre ce truc de quand il y a un couac, une tension, quelque chose qui est moins fluide, de se dire, allez, dans tous les cas, on est assez fort pour se reconstruire et quand on a tous les deux ce truc-là, voilà. Mais heureusement, on a su tout de suite voir pourquoi on était ensemble, pourquoi on choisissait d'être ensemble parce que ça a été un choix avec des conséquences importantes pour nos familles respectives et un choix qu'on savait douloureux pour des gens qui nous entourent. Mais on a eu tout de suite cette vision de qu'est-ce qu'on veut construire ensemble, qu'est-ce qu'on veut vivre ensemble, quel couple on veut partager, quel couple on veut créer ensemble. Et c'est toujours ce qui nous a permis justement de revenir au centre. C'est dans ces moments-là où c'est moins fluide quelque part, où notre ego pourrait dire, allez. On s'en va, tant pis. De se rappeler, non, en fait, on a choisi cette direction, c'est cette direction qui fait sens pour nous. Et on va peut-être baisser notre force là, aller plus voir du côté de la vulnérabilité qui est aussi notre force et une autre forme de force.
et justement de transcender ce qu'on a vécu. Donc c'est ce qui fait que notre couple a fait qu'évoluer et qu'aussi on a pris le temps de nourrir ce qui faisait vraiment sens pour nous, dans le sens où notre union provoquait quand même quelques séismes autour de nous et pour les gens les plus importants de notre entourage. Merci, Merci, merci beaucoup. Tu veux ajouter quelque chose? Ouais, je veux bien, ouais, effectivement ajouter ça. C'est vrai que moi, ce que j'ai, enfin, si je regarde un peu en arrière, ce qui a vraiment été déterminant en fait dans cette construction de couple et cette consolidation en fait du couple, c'est vraiment cette question qu'on se posait à chaque crise. C'est qu'est-ce qui est important pour notre couple en fait? C'est quoi qu'on a envie de créer. Donc, même quand on avait des moments où, effectivement, nos blessures venaient nous chercher, ou, comment dire, Notre construction, tout notre simplement. construction, l'environnement, en fait, parce que quand on est parent, on protège ses enfants, et quand les enfants se découvrent et qu'ils n'ont pas demandé, en fait, à se découvrir et qu'ils se retrouvent ensemble, face à face, ça crée des tensions. Et ces tensions-là nous ont aussi divisés de vouloir protéger nos propres enfants. Et en fait, la question de fond, c'était vraiment quel couple on a envie d'incarner? Enfin, c'est quoi qui est important pour nous? Et c'est quoi, en gros, pour nous, la vision de la famille unie, en fait, même si, voilà, enfin, nos enfants... enfin, oui, c'est quelle vision on aurait de cette famille unie. Et on avait vraiment déterminé qu'ici, c'était la maison de l'amour, en fait, qu'effectivement, on avait possibilité de dire les choses, mais que le principe, c'était vraiment, en fait, de le faire de manière saine et d'aller, comment dire, un peu travailler soit ces fausses perceptions, soit ces fausses croyances, ou ces choses qui enveniment les choses. Et vraiment, ça a été, je pense que ça a été déterminant. Que tout le monde trouve sa place, en Tout le fait, monde c'était trouve sa vraiment place, ça. c'était important que tout le monde trouve sa place, que ses enfants, parce que là, je suis chez Laetitia, que ses enfants ne perdent pas leur place aussi chez eux, n'aient pas l'impression que d'autres enfants viennent prendre leur place. Enfin, voilà, c'était vraiment assez déterminant. Après, voilà, je pense que comme Laetitia l'a dit, c'est que notre force, c'est et autant comment dire, on est persuadé de notre yang, mais autant notre yin, en fait, est important. Et on a ce jeu, en fait, entre nous, qui est hyper complémentaire, qui elle peut être dans le yang et je suis dans le yin, et quand je suis dans le yang, elle peut être dans le yin. Et on a remarqué que quand on est dans le yang, tous les deux, si c'est pas utilisé pour faire avancer quelque chose, ça nous divise en fait. Enfin, moi, c'est vraiment ce que j'ai remarqué. Parce qu'on peut être tous les deux dans le yang. On a déjà fait des ateliers où on était tous les deux dans le yang et aller pousser les gens. Et ça a fait double impact. Mais on a aussi ce jeu de savoir, il y en a un qui est dans le yin pendant que l'autre est dans le yang, et d'aller chercher en fait nos coachés à, bah, tiens, moi, je suis en train de te rassurer. Laetitia est en train de le pousser. Et puis quand la personne vient vers moi pour être rassurée de nouveau, je la pousse et Laetitia vient la rassurer. Et on a vraiment ce jeu de pouvoir, comme ça, emmener la personne au cœur d'elle-même en lui montrant qu'en fait, c'est un jeu entre le yin et le yang, et que l'alignement, en fait, l'équilibre, le point d'équilibre se trouve entre les deux, quoi. Merci, merci, merci beaucoup pour cette présentation de vos bases, des noces alchimiques, voilà, qui s'articulent autour voilà, de la force et de la vulnérabilité, hein. Moi, ça me fait penser à la phrase de Khalil Gibran dans Le Prophète qui partage sur la vague, la puissance de la vague et la fragilité de l'écume. Et force et fragilité sont un peu les deux faces de la même pièce. Voilà, merci aussi pour ce deuxième point sur la question. Finalement, c'est l'unification, comment être dans l'unification. Et puis le troisième point, c'est justement cette danse entre les polarités, en fait, yang et yin. Yes. Et justement, pour créer cette unification, cette alliance dans votre couple, c'est quoi les 5-6 ingrédients principaux que vous pouvez constater qui sont au cœur, en fait, de votre couple et qui vous aident? Mmh.
Personnellement, alors moi personnellement, je dirais que la remise en question, c'est un ingrédient hyper important. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire, enfin que j'aime faire. Au moment où, on va dire que au moment où ça vient nous chercher, j'aime pas trop le faire, mais je vois que c'est hyper important de pouvoir se dire, et si en fait ma perception était faussée, et si en fait je percevais l'autre comme étant un ennemi, alors qu'au final, elle m'apporte tout l'amour dont j'ai besoin, et si je pouvais voir les choses autrement. Et vraiment, donc, d'une, je dirais cette remise en question. De deux, je vais parler par rapport à ce que je ressens pour Laetitia, c'est vraiment cet apport d'amour qu'elle a, qui est là et qui est toujours en train de servir. Et qui est, enfin, pour moi, c'est. J'en ai les frissons, quoi. C'est vraiment ce truc de. Il y a peut-être eu des fois où je me. Enfin, il y a eu beaucoup de fois où je me suis dit oui, elle s'en fiche de toi, mais ça dénotait tellement avec son amour, avec la personne qu'elle est, que je ne pouvais pas arriver à m'accrocher à cette fausse croyance, en fait. Parce qu'elle est dans cette servie, dans ce besoin d'apporter aux autres l'harmonie, le bien-être et tout. Et il y avait vraiment ce truc qui me disait, mais en fait, c'est pas possible, c'est pas elle. Donc, ce que je perçois là, c'est moi qui suis en train de me raconter des histoires. Donc, il y a vraiment cette chose-là d'être persuadé qu'elle était dans l'amour, en fait, et du coup, qui venait me chercher dans mes moments de doute. Et après, je dirais que si je pouvais rajouter un autre ingrédient, c'est cette recherche de l'équilibre, en fait. Et puis, on a eu ces instants à se dire, punaise, on a tellement d'outils et pour autant, dans ces moments-là, on a l'impression de tout envoyer valser, que ces outils servent à rien en fait et que tous ces outils de coaching, ça sert à rien. Il y a eu beaucoup de moments où on s'est dit, mais j'ai pas envie que tu me coaches en fait, je veux qu'on discute, je veux qu'on échange. Il y a vraiment ce truc-là et je pense que qui a fait, c'est que fort heureusement qu'on avait ces outils-là, et en même temps, je pense que on a su parfois s'en détacher pour avoir des discussions un peu plus ouvertes. Et je dirais que le dernier point que je voudrais apporter, c'est aussi ouais, c'est vraiment ce truc de dire, en fait, l'autre n'est pas le problème. Voilà ce que moi je perçois. C'est-à-dire de savoir parler enfin, en son nom propre et non pas au nom de l'autre, et de se dire, voilà ce que j'ai perçu, et c'est peut-être complètement faux, et dis-moi si ça fait sens avec ce que toi, tu t'as voulu transmettre, mais ça, c'est ce que j'ai perçu, mais ça m'appartient, vraiment, ça m'appartient. Et de voir que, alors c'était très difficile quand même de ne pas recevoir la critique ou en face. Mais de voir que en fait on se crée vraiment parfois des histoires par rapport en fait à bah ça vient nourrir nos croyances, ça vient nourrir nos blessures et de d'oser se dire ça m'appartient, voilà comment je reçois le message, discutons-en, mais en mode je te remets pas en question, c'est moi que je veux, enfin c'est voilà, ça revient au premier point, la remise en question. Moi, j'ai envie d'évoluer là-dessus, en fait, parce que je vois que ça revient régulièrement. Yes. Merci, Tony. Ça dit beaucoup de choses. Mon amour. Bah c'est sûr que la remise en question, c'est super. C'est dans l'essence de ce qu'on vit. Et derrière, il y a forcément la communication et l'amour, et ça, t'en as parlé. Est-ce qu'il y a d'autres ingrédients? Je crois que. Bah, tu l'as dit, il y a l'équilibre aussi, c'est autant important pour lui que pour moi qu'on ait notre espace pour se développer nous-mêmes et notre liberté d'agir et de faire ce qui nous plaît et en même temps de savoir avoir cet espace de projet de couple aussi.
Donc, c'est danser au travers de tout ça. Et voilà, je pense qu'il a déjà partagé l'essentiel, se rappeler ce qu'on a envie de créer, ce qu'on a envie de transmettre, se rappeler que quoi que l'autre réveille chez nous, ça vient juste nous parler de nous et que si on lui transmet avec amour et avec sens ce que ça représente pour nous, il s'agit juste de comprendre, de se comprendre avec deux filtres différents et de voir comment nos filtres peuvent se marier et être encore plus beaux, en fait. Yes, merci. Merci, merci beaucoup pour ces ingrédients. Hein. Je fais une petite synthèse rapide dont vous les avez nommés, la communication avec justement un focus de prendre la responsabilité de son vécu, de son ressenti au sein de cette communication, l'amour, hein, l'inévitable amour, et puis la recherche d'équilibre, la remise en question, la liberté individuelle au sein du couple, et puis les projets aussi qui viennent nourrir l'espace de l'union. Alors si on va davantage en profondeur sur cet espace justement des ingrédients, si vous aviez une pépite très comment dire, pragmatique en fait à partager à nos auditeurs, en fait voilà, ce serait laquelle? C'est quoi que vous savez, que vous avez appris à mettre en place très concrètement quand une difficulté se présente par exemple? Je pense que c'est vraiment. Je pense qu'on a vraiment, au fil, enfin, tout de suite d'ailleurs, développé cette habitude de se partager ce qu'on ressent et pas, de savoir en fait que l'autre est pas un ennemi en fait. Et c'est souvent ce qu'on oublie dans les moments compliqués du couple. Et de se rappeler ça, que l'autre nous aime et en fait est comme nous, a envie de que ça aille bien et qu'on évolue ensemble. Ouais, de développer cette habitude de partager ce qu'on ressent, de partager ce qu'on a sur le cœur et de créer cet espace d'expression libre et rempli d'amour, en fait. Ok, merci. Merci pour cette pépite. Ouais, merci pour cette pépite. J'ai juste une question justement pour aller davantage encore dans la précision. Comment, parce que là j'entends que c'est vraiment du coup comme un entraînement finalement interne de développer en fait cet espace de ok, l'autre n'est pas mon ennemi, enfin voilà, on est des alliés. Mais quand il y a justement ce moment de friction où des fois il peut y avoir cette difficulté à l'intégrer en fait, c'est quoi votre clé en fait concrète pour y arriver en fait justement à intégrer ok, l'autre n'est pas mon ennemi, il est vraiment mon allié. Je sais pas si c'est clair dans ma question. Si, Si, c'est très clair, et c'est puis clair. je vois très bien que c'est le moment où il n'y a pas beaucoup d'informations qui rentrent. Quand le système est Voilà. complètement en Et en protection, protection, en il n'y a réflexe. que, si on est en colère, il n'y a que de la colère qui peut rentrer. Enfin voilà. Je pense que peut-être cette chance de ne pas avoir la même façon de réagir, bah, je veux parler pour ce que je remarque, c'est que moi, je suis plutôt du genre à fuir. Quand il y a ces moments-là, et je pense que ça a un peu favorisé l'ouverture de l'espace, en fait, de pouvoir que moi je puisse fuir. Il y a eu des moments où on était dans le yang tous les deux en mode tête à tête, et on voyait que si on est dans ce mode combat, c'est perdu d'avance, en fait. On ne fait que faire monter la pression et tout ça. Et je vois que moi, j'ai assez ce côté, voilà, je fuis le truc parce que c'est trop violent, trop intense. Mais j'ai aussi cette facilité d'amener beaucoup, 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 extrêmement beaucoup de violence dans le truc. Donc je peux être capable de créer énormément de chaos et de fuir ensuite derrière. Mais cet espace de fuite, quelque part, me permet aussi de me poser cette question essentielle et de me dire,
C'est quoi qui est important en fait, une fois que je suis dans la fuite et que je suis plus confronté en fait à l'événement. Donc je pense que cet espace qu'on en fait De respiration. ouais, de respiration, donc il est important. Et c'est surtout si voilà, je sais que on a eu pas mal de personnes qui nous ont dit ouais, mais moi je voudrais pas fuir, j'aimerais avoir cette force de comme vous, d'avancer et tout. Mais je pense que c'est important de voir aussi que la fuite, c'est pas une faiblesse, en fait. C'est aussi une grande force de pouvoir sortir et de se dire, OK, on va respirer maintenant ou partir marcher, ou, enfin, voilà, mais de sortir du combat et de se dire, voilà, on se laisse le temps de la réflexion. Après, voilà, c'est ce que je vois là. Maintenant, encore une fois, c'est un entraînement aussi. C'est-à-dire que, comme dit Laetitia, ça aurait pu lâcher la première altercation qu'on a eue, je veux dire, ça aurait pu être la fin de toute notre histoire. Donc je pense que vraiment la première question qui nous a permis de rester là-dedans, c'est quoi qui est important pour nous, et c'est vraiment, qu'est-ce qu'on a envie de construire en fait ensemble? C'est vraiment avoir cette vision de ce qu'on s'était dit et de ce qu'on voulait en fait construire. Je pense que sans cette vision, il y avait zéro possibilité que ça continue, quoi. Merci, merci beaucoup Tony pour cette pépite justement déjà voilà c'est quoi qui est important hein, la première pépite de l'intention et puis ce que tu nous partages avec tu partages le mot fuite après moi je l'entends un peu comme un moment plutôt de je sais pas reculer pour mieux sauter donner de l'espace faire une pause en fait de manière à pouvoir Pour moi, réentrer dans une idée. c'est plus une respiration dans des moments difficiles. Il y a tout le système qui est en protection, notre ego qui se pointe. Pour moi, le plus facile, en tout cas, le meilleur que je puisse partager, c'est de respirer, de revenir à soi, de revenir au cœur de son système et de revenir au cœur de soi, tout simplement. Et là, on est davantage en mesure de se raccorder à cette fameuse vision et à ce fameux sens qu'on veut mettre au sein de notre couple et être moins dans les histoires qu'on se raconte, mais davantage dans la réalité de ce qu'on vit et de ce qu'on a envie de vivre. Yes, merci pour ces précisions Merci parce beaucoup. que voilà, je suis certaine que ça va pouvoir servir, inspirer aussi les auditeurs, auditrices qui nous regardent, qui vous regardent là. Et puis voilà, je trouve ça aussi important aussi, comme vous l'avez nommé au tout début, il me semble voilà, que bah ouais, même en étant accompagnant, même en étant coach, voilà, il y a l'humain et que même en ayant plein d'outils, bah, parfois on se prend les pieds dans le tapis, comme on dit, dans notre émotionnel, et que bah, voilà, c'est ce cheminement intérieur voilà, d'entraînement en fait, à prendre la respiration, à aller au cœur de soi. Et voilà, ça ramène à cette humilité, en tout cas, de bah ouais, on est toujours dans cet apprentissage-là. Et d'ailleurs, en petit aparté, je le pose là parce que c'est dans mon esprit là depuis tout à l'heure en rappel. Avec ce projet-là, effectivement, on a à cœur que ben, voilà, vos témoignages puissent vraiment ressourcer un maximum de personnes au sein de leur couple ou de leur couple à venir. Au tout début, on aimait bien prendre cette image-là de voilà, quand on est enfant, on nous parle des contes de fées. Mais souvent, les contes de fées, en fait, les histoires, ça se termine par voilà, ils sont en couple, ils sont mariés, ils eurent beaucoup d'enfants et vécurent heureux, point. Et en fait, il n'y a jamais la suite. Mais concrètement, ça se passe comment, en fait, dans le quotidien de ces couples-là? C'est quoi le mode d'emploi? Et en quelque sorte, voilà aussi votre témoignage et ce projet, Les noces alchimiques au sein du couple, c'est un peu justement comme la suite de ces livres, de bah, ok, ça se passe comment concrètement dans le quotidien avec bah, voilà, ces joies et ces challenges et les outils justement qui permettent de créer l'unification de nouveau. Donc merci pour ces Merci. précisions. Merci beaucoup. Je voudrais juste rajouter aussi un point que tu as aussi commencé à nommer, parce qu'en fait, on a eu plusieurs couples comme ça qui sont aussi dans l'accompagnement et donc ont tous les outils. Et j'ai envie de dire, ça peut être un piège aussi, en fait, justement.
d'avoir tous les outils, en même temps de se retrouver simplement au sein du couple sans forcément vouloir être coaché ou coachée, et être juste avec son, j'ai envie de dire, avec son enfant intérieur, en fait, là présent, et qu'a, voilà, c'est vraiment un, je trouve, oui, un challenge aussi, en fait, du coup, de pouvoir switcher entre voilà, celui qui peut apporter et celui qui est au sein de la relation. Donc, merci de nous avoir aussi partagé cette voilà, cette subtilité, ouais. Voilà, cette Oui. merci. Yes. J'ai une question pour vous. Donc, comme vous savez, ce projet met à l'honneur le couple, et particulièrement le couple dans le mono-amour, donc vraiment dans le respect de toute forme de couple. Mais on a eu à cœur voilà, de mettre à l'honneur les couples dans le mono-amour, c'est-à-dire vraiment dans la fidélité, l'exclusivité, dans ce choix bah, en conscience, en liberté. Qu'est-ce qui fait sens pour vous de faire ce choix-là? C'est d'excellentes questions que je ne me suis jamais posées parce que ça me paraît, ça semble évident comme ça là antérieurement. Une évidence, si c'est une évidence, c'est. Ça se passe beaucoup aussi. Hein. En tout cas, c'est une évidence de ce que, sans, comme tu l'as dit, sans rejeter toute autre forme de couple. C'est simplement une évidence qui fait sens pour moi dans ce que j'ai envie de construire. Et en plus, je suis quand même particulièrement attachée à la loyauté et à créer un couple où on s'apporte sous tous les domaines, en fait. Je pense qu'on a davantage cette possibilité dans cette fidélité et quelque part, ce dévouement l'un à l'autre, même si je n'aime pas trop ce mot dévouement, mais dans ce lien unique, quelque part, qu'on choisit de vivre. Qu'est-ce que tu dirais, toi aussi? Mais moi, j'ai pas très bien compris la question, donc du coup, Okay. Dans le sens, c'est ce projet-là, mais vraiment, donc on nomme ça, nous, le mono-amour, mais plus communément, en fait, ça s'appelle la monogamie, hein, concrètement. Ce choix, au sens fidèle et exclusif, c'est ça. ce choix, voilà, de fidélité et d'exclusivité. Et on a eu à cœur. Je fais une petite aparté pour aussi mettre du sens à ça. On a eu à cœur de mettre les couples dans le mono-amour à l'honneur pour ce projet-là. Parce que dans ce monde, justement, où aujourd'hui, bah, la liberté est quand même très présente, l'abondance aussi est très présente, et parfois, effectivement, c'est une évidence d'être dans le mono-amour. Parfois, il y a aussi cette recherche de qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient pas dans le couple. Et puis, il y a aussi, on a pu faire un constat que dans certains milieux, en tout cas, le choix de la monogamie peut être aussi clairement jugé et condamné comme quelque chose de répétitif, de dogmatique, sociétal, familial, etc., etc. Et en ça, on a eu envie de remettre du sens aussi là-dedans quand justement, bah, ça devient vraiment un choix, pas forcément une répétition, on va dire, de ce qu'on a reçu familialement ou sociétalement, quand ça devient un réel choix de se dire, OK, je veux mon couple en fait dans la monogamie, ben en fait, c'est quoi qui fait sens pour toi, justement? Ouais. Merci pour les précisions. C'était intéressant parce que j'étais en train de. Avant que tu poses la question, du coup, j'étais sur un sujet qui m'était venu comme ça en tête et qui faisait. Enfin, comment dire, qui fait sens avec la question que tu amènes. Donc, c'était intéressant. Moi, je dirais que tout dépend effectivement du choix qu'on fait. Et dans le choix, tout dépend de ce qu'on est prêt à. Je dirais. À avoir comme difficulté dans sa vie. Et à quel point on est heureux dans ses choix, en fait. Parce que, effectivement, si aujourd'hui je suis avec Laetitia, c'est un vrai choix, en fait, c'est une vraie décision. Pour autant, je pense qu'effectivement, on peut se mettre en couple parce qu'il faut. Parce que la société, c'est.
un homme et une femme, en plus, enfin, qui est très ancré, alors qu'aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a des couples homme-homme, femme-femme. Et moi, je vois que, punaise, mais si vous êtes heureux, si c'est votre choix et que vous portez l'amour, en fait, dans votre cœur, mais why not? Pourquoi pas? Je veux dire, j'ai pas, au contraire, c'est ça pour moi qui est le plus important. C'est faut que ce soit un choix délibéré et que, en gros, on soit prêt à apporter le maximum d'amour dans ce choix. Donc, que ce soit monogame, polygame, enfin voilà, homme-femme, femme-femme, homme-homme, ben, pour moi, c'est surtout ce qui importe, c'est qu'effectivement, tout comme je veux dire, tout comme un couple monogame, il faut que les deux aient vraiment choisi de s'engager. Donc, je veux dire, que ce soit en polygamie, si tout le monde a choisi d'être les uns avec les autres et le vivent bien, ben, pourquoi pas? Je veux dire, Carrément, carrément. Non, mais Ça, il n'y a moi, pas de jugement par rapport à ça. Hein. je te rejoins par rapport à ça. Et c'est vraiment dans le respect de toute forme de couple, en tout cas de toute décision, hein, En fait, c'est ce que qui. ces décisions de mettre le mono-amour à l'honneur pour ce projet-là est présent. Et néanmoins, tu n'as pas répondu à ma C'est question. ça. La Qu'est-ce question, qui fait sens pour toi de faire ce c'est choix dans le ça. mono-amour, dans Non, la bah polyamour? alors, je Pourquoi pense tu que ce qui. choisis Alors, le. ouais, non, mais très bien. Mais je pense que c'est. Ce qui fait sens pour moi, c'est effectivement. Alors, je pense que je suis certainement paramétré par ce que j'ai vécu et je dirais ma culture et tout ça. Enfin, je veux dire, et mon environnement. Donc, d'avoir que des monogamies en fait autour de moi. Donc, je pense que je suis paramétré par ça. Maintenant, je veux dire, moi, j'ai une entreprise. Je travaille seul et je veux pas travailler avec des salariés. Voilà. Donc quelque part, mais pour autant, je travaille avec des indépendants. Donc voilà. Donc des gens extérieurs. Donc pour moi, c'est, je dirais que il y a quand même cette idée de, c'est quand même un choix, quand même quelque part qui fait que, bah, enfin que je privilégie la monogamie puisque là, si j'y réfléchis, je me vois difficilement vouloir. Enfin, j'ai pas envie de vivre les difficultés d'un couple polygame, en fait. Voilà, c'est Yes, c'est mais ça. carrément. Mais C'est carrément une bonne en raison, fait, tu c'est vois. ça. Une, C'est en fait, carrément une bonne raison. j'entends par là comme une évidence et comme aussi, si, enfin, tu me diras si c'est ça, hein, mais aussi quelque chose de, voilà, aussi efficace dans le sens, bah, l'amour se construit à deux et que bah, d'autres énergies en plus, ça serait beaucoup, beaucoup de choses encore à gérer, quoi. Il Donc y a, il y a. finalement, centraliser En fait, l'énergie. pour moi, c'est vraiment cette idée de tu choisis les. Enfin, il y a un moment, on se dit, ouais, j'ai pas le choix, c'est comme ça. Si, tu peux choisir tes difficultés, que tu as envie de. Et clairement, c'est pas une expérience que j'ai envie de faire parce que il y a des avantages et des inconvénients à être en monogamie, il y a des avantages et inconvénients à être polygamie. Enfin, voilà. Donc, j'ai pas envie d'aller. En fait, je veux me simplifier la vie, je pense, quelque part, et sur ce domaine-là, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à aller expérimenter déjà en monogamie, et que moi, ça me va très bien, et que c'est parfait, quoi. Donc, Il y a souvent en fait ce qu'on entend et ce que j'entends aussi là en fait dans ce que tu dis, c'est il y a suffisamment déjà à faire finalement au sein pour moi, oui, pour moi. Ok, merci en tout cas pour Merci voilà, ces beaucoup. partages. Et bon, ça m'amène quand même à une question parce que vous avez beaucoup parlé particulièrement à plusieurs reprises justement que vous vous connectiez, enfin, c'était important pour vous vraiment de. Ok, c'est quoi le couple qu'on veut construire, la vision? Et justement, qu'est-ce qui fait sens au-delà du mono-amour hein, c'est qu'est-ce qui fait sens pour chacun d'entre vous bah, d'être en couple en fait? Si les deux, trois piliers principaux qui sont importants pour vous, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui fait sens d'être en couple? Faut être un peu fou pour être en couple et pour moi, ça a du sens de mettre de la folie dans sa vie. J'adore. C'est authentique, merci. Qu'est-ce qui a du sens d'être en couple? C'est ça, je répète la question, ça me permet Ben, de.
C'est vrai. Pour moi, c'est aussi quand même un magnifique espace pour apprendre sur soi, en fait. C'est clairement un espace vraiment riche pour se rencontrer soi-même et évoluer vers soi si on sait créer justement cet espace d'expression et de liberté et de communication. Donc, en ça, ça fait sens pour moi d'être en couple, de pouvoir évoluer dans le miroir de l'autre quelque part. Et puis, tout simplement, bah, l'amour, ça fait sens pour moi, sous toutes ses formes. Et quelque part, l'amour que nous, on vit, c'est un amour d'un couple de parents qui ont eu leur première vie de parents quelque part et c'est une nouvelle forme d'amour dans le sens où ouais, je m'éparpille un peu, pardon, mais où on génère encore plus d'amour au-delà des liens du sang. Et c'est là où notre couple y prend encore plus de sens pour moi. C'est qu'il incarne et qu'il représente l'amour sous toutes ses formes. Voilà ce Merci. qui fait sens pour moi. Qu'est-ce Merci. qui vous fait sens? Je fais souvent référence par rapport à ce que tu disais justement à un ouvrage de Guy Corneau justement qui s'appelle Le langage du cœur et il nomme que le couple est vraiment justement un espace aussi justement pour conscient pour arriver à soi. Bah, voilà, parce qu'il vient justement montrer un peu par ses jeux de miroir. Voilà, toutes les facettes de nous-mêmes finalement qu'on verrait pas ou plus difficilement si on n'y était pas. Merci, top. Tu veux ajouter quelque chose, Non, je pense que tu as tout dit. non? Alors, c'était vraiment cette chose effectivement que tu disais, c'est faut de la folie, enfin faut quand même avoir une grande folie pour aller, je dirais, entraîner ses blessures, aller chercher ses blessures, aller les faire évoluer. C'est vraiment ce que, enfin, ce qui moi nous présente aujourd'hui, c'est d'avoir cette force d'aller affronter ces blessures et du coup de les conscientiser et du coup de voir que c'est un programme qui nous mène. Pas au bon endroit et d'aller les faire évoluer, vraiment. Trouve cette idée de se faire évoluer respectivement pour arriver à, en fait, moi, ce qui me touche le plus, c'est d'atteindre la sagesse. Et vraiment, je trouve que le couple peut amener à la sagesse à partir du moment où on peut avoir réglé ensemble tout. On en fait le choix aussi. Ouais, non mais moi personnellement voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'anime d'être d'arriver à cette sagesse et d'avoir en fait c'est voilà ce regard sur mon passé de me dire en fait je ressens plus de douleur par rapport à mon passé parce que ensemble en fait on est allé guérir en fait ces blessures quoi. Merci, merci beaucoup. Merci Merci à beaucoup, Eve. nouveau Laetitia et Tony voilà, d'avoir accepté notre invitation pour cette interview. On est certain que cela va sourcer, inspirer, intéresser beaucoup de nos auditeurs et auditrices. Et voilà, encore mille merci d'avoir accepté de partager votre expérience de votre union, de vos noces alchimiques justement au sein de votre couple. Merci encore. Merci à Merci vous. à vous pour ce moment. Avec plaisir. Et puis, bah, on vous dit à bientôt. Et pareil pour vous, chère communauté. On vous dit à tout bientôt pour la suite. Ciao, ciao. Bye bye, ciao.